côte à n'a pas été encensé par toute la critique française, d'abord par quelques personnes, euh, notamment les rédacteurs de présence du cinéma, Michel Mourlet, euh, euh, qui, qui, qui ont consacré un numéro spécial à côte à Favis. Auparavant, avant les années 60, François Truffaut avait écrit des articles relativement élogieux, même très élogieux, sur certains des mélodrames de Cota Favi, et notamment sur un de ses meilleurs films, un film tout à fait euh, personnel et formidable qui s'appelait Fille d'amour, Traviata 53. Mais dans les années 60, c'est le premier numéro euh, spécial d'une revue consacrée à Cota Favi. Et ce au moment où il est dans sa période de, de film historique de péplum, ça apparaîtra pour la, la, la critique officielle comme une sorte de provocation, et on s'amusera beaucoup pendant un moment, euh, aussi bien en France qu'en Italie, on, on s'amusera on, on de, de des, des maniaques français qui trouvent des qualités euh, à Cotta et à Riccardo Freda. Euh, il faudra attendre. Euh, plusieurs années pour, euh, pour que ce travail aboutisse, que le travail fait par les Macmahoniens, ce qu'on appelait les Macmahoniens, les Mac néo -Mac voire les, les nickelodéoniens, euh, finissent par euh, aboutir à une reconnaissance de Favie, reconnaissance qui, des années plus tard encore, euh, 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 existera aussi en Italie. À l'époque, il y avait ce sentiment, il y a 40 ans, Bon, on faisait du cinéma euh, ambitieux ou du cinéma de genre qui était, des, euh, qui était un cinéma euh, mineur. Notamment au niveau italien, le cinéma de genre était très mal vu à l'intérieur de l'Italie, à l'exception du film contemporain et social néoréaliste, qui lui-même était un genre, mais ça les tenants du néo-réalisme ne l'acceptaient pas vraiment comme, comme genre. Cotafavi a été en effet connu d'abord pour ses, ses, ses films historiques, Les Légions de Cléopâtre notamment, qui lui a valu une critique très 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 élogieuse de Michel Delahaye dans les cahiers du cinéma, euh, et euh, par, tout, par, par ses, ses films mythologiques, euh, qui étaient ceux qu'on pouvait voir. Mais petit à petit... Les, les, mais les vrais amateurs, les gens qui défendaient Cotafavi n'arrêtaient pas de dire que ses meilleurs films étaient le, le, les mélodrames et certains films de cap et notamment un film magnifique que, dont j'ai gardé un souvenir ébloui qui s'appelait Milady et les mousquetaires et puis on a découvert que, 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 que Favi n'était pas euh, euh, quelqu'un de tout à fait complexe qui n'était pas que, que, les, que les films mythologiques ne le représentaient qu'imparfaitement. C'est quelqu'un d'abord de très cultivé, de très fin et d'extrêmement de, intelligent, drôle aussi. Moi, je l'ai rencontré à de très nombreuses reprises. Je peux dire que ça a été un des grands amis que j'ai eu en Italie. Lui et Ricardo Freda ont été deux des plus grands amis que j'ai pu, pu avoir. Et, et Vittorio euh, était, oui, quelqu'un vraiment de, de distingué. Il avait quelque chose un peu d'aristocratique. De, de, et sa carrière, au début, ne le destinait pas du tout ni au mélodrame, ni, aux films ni, ni au film historique, ni au péplum. Au départ, il, il voulait faire des films très ambitieux. Il a commencé par une très jolie euh, comédie d'où sa mère avec Vittorio de Sica. Et puis, il a fait un, un film que, pour le moment, je n'ai jamais pu voir, mais qui a été redécouvert récemment en Italie, qui s'appelait La Fiamma qui non si spegne La Flamme, je crois, qui ne s'éteint pas. Et ce film a déclenché une polémique euh, un peu comme le corbeau de Clouseau. Parce que c'est un film sur la résistance et le héros en était un carabinier. Et un certain nombre de journalistes, de tenants du New ont déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de héros parmi les carabiniers pour la résistance et donc ce film était un film fasciste. Et il euh, le, le, y a eu un manifeste signé par un très grand nombre de journalistes qui euh, excluaient Cotafavi du mouvement néo-réaliste. Et, euh, et du coup, on peut dire que sa carrière, d'une certaine manière, par la violence dogmatique de la critique italienne, a été arrêté, un peu comme celle de Clouseau. Mais Clouseau a été stoppé pendant deux ans et demi quand on disait que Le Corbeau, c'était l'équivalent de Mein Kampf. C'était les communistes qui disaient ça. Hein Je crois que Georges Sadoul avait écrit quelques âneries de ce genre. Hein et euh, Alors que Le Corbeau était un film contre la délation. C'est un film qui aurait dû être récupéré justement parce que c'est plutôt un film contre les lettres anonymes, contre la délation, contre la manière dont justement des tas de gens avaient péri à cause de ce climat de délation qui empoisonnait la France de l'occupation. Et, 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 mais Clouseau a pu, a pu s'en sortir. favi a dû se réfugier dans des genres dits mineurs. Lui qui rêvait d'adaptation de Bernanos, de Julien Green, il a dû se réfugier dans, dans ces genres-là. À partir de là, dans ces genres-là, il a réussi à s'en emparer et ses meilleurs films sont... Euh, à, sont à peu près les équivalents de, de Douglas Sirk on peut dire, en, en, aux, aux États-Unis. C'est-à-dire de ces euh, mélodrames, ces films de KPDP, euh, donc je pense à Traviata 53, Milady et les mousquetaires, Le Prince au Masque Rouge, euh, Femmes libre, euh, Repris de justice, sont des films tout à fait excellents, remarquables, personnels. Ce sont des films très rares, d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à voir, que nous, moi en tant que cinéphile, je, euh, on, je suis arrivé à faire passer dans des, des ciné-clubs qu'on on, on, qu on a programmés au Nickelodeon. Mais voilà quel a été le, le, le trajet de Cotafavi. Et puis alors, du film, quand ces genres ont commencé un peu à décliner et ont été remplacés par le, par le film historique, eh bien il a continué. Et dans ces films historiques, il y en a qui sont très réussis. Et après, il est passé au film mythologique. Et les films mythologiques, il, il, il en a réussi un qui est plaisant et un qui est vraiment pas mal, qui est Hercule à la conquête de l'Atlantide. Parallèlement, sa véritable ambition, il a pu la concrétiser à la télévision, où il a fait des adaptations de Calderon, de Dante, de Molière, euh, où il a euh, et, euh, mis en scène de nombreux films et téléfilms. Moi, j'avais vu une magnifique... Euh, adaptation d'Euripide, de, 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 de euh, très très belle, en, euh, dans lequel il jouait le rôle du, de, de, du, du présentateur, c'est en costume, la dernière représentation en costume avant, en costume moderne, le dernier filage, il avait, il avait, il avait fait comme s'il avait filmé le dernier filage, faisant une chose que, que fera Bergman plus tard, incluant les entractes où les gens s'arrêtent, pour aller fumer une cigarette, voilà. et puis après ils reviennent sur la scène, et tout d'un coup ils redeviennent les héros de cette tragédie grecque. C'était un, un travail magnifique. Et, et voilà donc, le Cota Favi c'est cela, et vers la fin, comme après tout le travail de la critique et, que cette, et sa réhabilitation, il a pu refaire un film personnel qui s'appelait Les 100 Cavaliers, qui est un film tout à fait passionnant. Mais qui a été très mutilée, qui a été un échec commercial et qui est sorti en France dans une version complètement mutilée. Et quand elle est passée à la télévision, même l'une des tentatives de Kotafavi qui était une scène de bataille, qui passait de la couleur au noir et blanc, c'est-à-dire quand la bataille commençait elle était en couleur, plus, et puis tout d'un coup la bataille devenait noir et blanc, ce qui fait qu'on ne distinguait plus les, 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 les gens qui appartenaient dans les, dans les, à, à chacun des deux camps. Il ne venait que des morts en puissance. Tout ça. Et à la fin, quand la bataille se terminait, petit à petit, sur le champ de bataille, euh, quand euh, les deux des personnages marchaient à travers les morts, petit à petit, la couleur revenait, doucement. Et ça, euh, à la télé, ils avaient tout colorisé. Donc euh, la scène disparaissait, euh, 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 n'avait plus aucun sens. Voilà. Donc, voilà un petit peu quelle a été le, 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 la carrière de Kota Favy, à la fois euh, ses, ses déboires. On peut rêver à la carrière qu aurait, qui aurait pu exister si la critique avait été moins imbécile moins meurtrière. on peut dire qu'ils ont eu la peau d'un homme de même que les critiques anglais ont eu la peau de Michael Powell avec le voyeur et qu'on a failli avoir la peau de Clouseau avec le corbeau et bien de même ça a été, ça a été, un peu, ça a été la même chose un peu avec Cota mais néanmoins Cotta a réussi dans des genres annexes, a signé un grand nombre de films tout à fait passionnants. Robaille, oh disons que euh, c'était une sorte de coquetterie pour lui de se définir comme, comme anarchiste. Effectivement, c'était un gentleman euh, très raffiné, euh, très pondéré dans sa façon d'agir, toujours un peu... Euh, Toujours plein d'humour vis-à-vis de la réalité et vis-à-vis -vis de lui-même. Il se sentait un peu gêné de travailler dans un cinéma de genre qu'il méprisait, mais il faisait du mieux que ça lui était possible. Et il s'efforçait toujours de garder une certaine réserve vis-à-vis -vis de, de ses films, tout au moins des, des films de genre. Je n'hésiterais pas, si j'étais seul à en décider, à joindre toutes mes forces aux tiennes. Mais c'est le conseil des trente qui gouverne à ma place. Et il est très rare que 30 conseillers arrivent à un accord sur quoi que ce soit. Grâce au Dieu, je suis seul à commander dans mon royaume. Androclès a raison. En règle générale, il vaut mieux attaquer que se défendre. Oui, mais... <laughs> Est-ce qu'il croyait à l'objectivité des sources historiques qu'Ottaf avait ou non C'est difficile à dire, mais euh, là aussi... Euh, il il faisait un peu ce qu'il voulait en fait l'histoire euh, enfin l'évolution de l'histoire nous a appris qu'il fallait se méfier de tout ce qu'on euh, de tout ce qu'on pouvait lire ou entendre. Hein. Donc euh, à partir de ça, on pouvait avoir carte blanche euh, pour pour faire ce qu'on voulait. Les genres étaient effectivement assez simplistes euh, au départ mais euh, le fait même de travailler sur un genre précis avec euh, attention euh, les éloignait de la simplicité. Ça n'était pas toujours vu par la critique, ça n'était jamais vu par la, par la critique italienne, mais euh, en fait c'est assez subtil, assez raffiné comme, euh, comme travail. Et donc c'est simplement le, le principe du genre qui était... Euh, finalement assez simpliste, et un refus euh, de, la, euh, de la psychologie qui était euh, assez évident, euh, notamment dans le peplum. On peut faire de l'expérimentation sans baroque, mais le baroque lui-même est toujours un peu expérimental. Mais ça correspond assez bien à l'orientation de Cotafavi euh, vers le kaléidoscope, c'est-à-dire beaucoup de choses dans un seul film, ou beaucoup de directions... Diverses à l'intérieur d'une même carrière. On pourrait même ajouter une cinquième dimension qui est le, le documentariste, puisque les plans, euh, les plans les plus impressionnants de, de cet Hercule euh, sont probablement ceux qui sont piqués à Arun qui a servi euh, d'ailleurs de base à beaucoup de réalisateurs. Euh, godard, en puissance de la parole, a aussi piqué à Aaron Taziev, qui est une des sources fondamentales de la, euh, du, du cinéma qui dit volcan, dit Tasiev, et, et euh, l'irruption d'images purement documentaires dans, dans un film euh, de fiction assez délirant et ludique est très impressionnante. cotafavi parlait parfois, même assez souvent, de bertolt brecht. Euh, je pense qu'il l'aimait mais euh, c'était aussi une façon de se distinguer des autres auteurs de films de genre qui peut-être ne connaissaient même pas son nom euh, donner une certaine auréole à ses films Et puis euh, ça correspond aussi à une certaine réalité puisque à l'intérieur de ce film ludique et fantastique il y a des allusions à une certaine réalité contemporaine et euh, au, au mépris de la guerre et de ce qu'elle entraîne. Euh, des, des je... Il y avait un mépris des gens qui se battent et qui est tout à fait euh, contraire euh, à l'orientation première du Peplum, et, et qui est la dramatisation de la, de la lutte. Il se sert du, du, du Peplum, du film mythologique, pour le détourner un peu, pour l'aborder et lui donner un, 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 un vrai, vrai humour. Euh, tout le début du film, euh, Hercule est complètement euh, euh, inactif, il ne ferait rien, il est inerte. Il, est, euh, il y a une réplique formidable à un moment, dont je me souviens encore, en tout cas dans la VF. On dit euh, Qu'est-ce qu'il fait euh, Hercule a dit Il pêche. Qu'est-ce qu'il pêche Tout. Qu'est-ce qu'il attrape Rien. Voilà. Euh, Et euh, Cotafavi disait, euh, d'ailleurs, euh, me disait euh, c'est un entretien que j'avais fait pour la revue Positif euh, vous ne trouvez pas que mon, mon Hercule a quelque chose de Gaulois qu'il est un petit peu le le, le lointain une sorte de prédécesseur de, de, de Obélix plutôt qu'il a, qu a en tous les cas c'est une, 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 une drôlerie qu un peu qu'on trouve dans dans, dans Astérix euh, je pense que c'est peut-être pas un, un rapport avec le spectateur pour qu'on puisse s'identifier à Hercule, ce qui est souvent assez difficile. Hein. Mais c'est pour euh, trouver une forme d'humour. Même les, même les demi-dieux sont obligés de, de manger ce livre à tous les actes de la vie quotidienne, ce qui est inusuel par rapport euh, au traitement habituel du peplum. En même temps, Rick Park, l'acteur, était forcément quelqu'un d'hyper costaud. Et c'est amusant de mettre quelqu'un de très fort face à, des, face à des actions tout à fait banales. J'avais beaucoup aimé dans Hercule à la conquête de l'Atlantide le tout début où il n'arrête pas de manger pendant que tout le monde se bat autour de lui. Ça dure trois ou quatre minutes. Et euh, lui qui est le plus fort, il ne se bat pas, mais il mange. Et euh, ce n'est qu'à la fin qu'il intervient un tout petit peu. Alors qu'en général, dans les peplums quand on a un homme fort et qu'il euh, y a des batailles, bah, il se bat, mais c'est le seul à ne pas se battre. C'était un peu la réédition d'un euh, gag prolongé du film Bandido Caballero avec Mitchum, où il y a exactement le même genre de, de situation. Mais c'est encore plus drôle avec Craig Park, qui est euh, certainement beaucoup plus costaud encore que Mitchum. Mais par ailleurs, euh, con, euh, Hercule, <coughs> euh, en l'envoyant en, dans, dans, à la conquête de, de l'Atlantide, kotafavi euh, entend faire, même de manière euh, sommaire, simple, mais une, une sorte de fable sur le péril atomique, sur l'utilisation euh, euh, d'une arme absolue. Euh, lui, qui, euh, je pense, a, et, a été prêt euh, dans les années 40, euh, un peu assez proche du, du, du Parti communiste, entend, euh, je ne dis pas délivrer un message, mais dire, dire certaines choses dans un genre qui paraissait euh, à peu près inapte à délivrer euh, un peu la moindre idée. Hein. Euh, et. et c'est assez, assez frappant. Hercule à conquête de l'Atlantide est quand même un film qui, qui, qui exprime quelque chose. À part ça, c'est un film qui est tout à fait joli, qui est décoratif, qui est plaisant, qui est truffé de mouvements d'appareils assez, inven, assez inventifs. Euh, une jolie utilisation de, de l'espace. Euh, en tous les cas, une manière qu'a Favi de, de lutter contre, contre les clichés, contre les contraintes d'un genre qui était quand même assez paralysant. Le fait que vous deviez jouer avec sans doute des, des plagistes, des culturistes vaguement déguisés en acteurs, eh euh, bien, ça, il, il, il prend cette contrainte et il, il, il essaye de, de, de la transformer à son avantage en faisant des reculs, euh, en faisant, je vous dis, un personnage relativement passif, qui met très longtemps à se réveiller dans le film. Kotafavi Favi n'a pas fait qu'insérer des des réflexions euh, morales dans ces, dans ces films. Donc euh, le film joue autant sur euh, l'un et l'autre, sur le, sur le spectacle euh, et que sur euh, la, le sens qui s'en dégage.